إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعده الحمد لله نكمل نو إسبيكاشون لو توحيد شركة وبن زنفان ونعريب سيزيام شابيت ألو en gros nous dit que l'islam il repose sur cinq piliers. Premier pilier, c'est la conception du tawhid. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous disons aussi que nos conceptions, le Allah subhanahu wa ta'ala, les reposent sur quatre petites choses principales. Croire de l'existence d'Allah, croire qu'Allah est unique en tant que Rabb, croire qu'Allah est unique en tant qu'Ilah, croire qu'Allah est unique dans son nom et son attribut. Donc, une fois qu'il nous finit de croire de l'existence d'Allah, alors, nous disons qu'il réalise Tawhid dans trois petites choses-là. C'est-à-dire, croire dans Allah, il réalise Tawhid Allah dans Ar-Rububiyya, c'est-à-dire dans nos croyances dans Allah en tant que Rabb. Nous disons qu'il réalise Tawhid Allah dans nos conceptions, dans Allah en tant qu'Ilah, c'est Tawhid al-Uluhiyya. Et nous disons qu'il réalise Tawhid Allah dans Subhanahu et Subhanahu attribut. Alors, chapitre 6, c'est une chose concernant le tawhid ou rububiyya. Croire dans Allah, que Allah est tout seul le Rab. Alors, qui veut dire tawhid ou rububiyya? Tawhid ou rububiyya, c'est qui nous considère Allah étant le seul Rab de toute bonne créature. Alors, rububiyya, les dérivés de Bissambiabla, Rab, de Bissambola, Rab, croire dans tawhid ou rububiyya, ou bien réalise tawhid ou rububiyya, c'est qui était. Nous disons que croire que Allah est le seul Rab, est le seul Rab. Tant qu'un démon n'a pas fait une réalisme, ce tawhid Allah, tawhid rububiyya, n'est pas une réalisme, ce croyance d'Allah, que Allah est tout seul, le Rab, alors ce démon-là n'est pas un musulman. Alors comment pour réaliser tawhid rububiyya? Ou bien, qui nous disons que croire afin qu'il nous ait une bonne croyance dans Allah en tant que Rab. Alors, qui s'en a qui propriétaire de ce monde-là? C'est Allah tout seul qui est propriétaire de toutes les choses. Alors, quand on commence, quand on dit Rab, Rab parmi Soban, signification c'est propriétaire. C'est propriétaire. Dans la langue arabe, nous dit Rab Hadal Bayt. Nous dit Rab Hadal Bayt. Propriété, c'est la casa. Nous avons droit de demander la casa, nous disons, Man Rabbuha del Bey, qui s'en a, Rab de sa la casa. C'est un mot qui est dans la langue arabe. Qui veut dire Rab? Rab veut dire propriété. Alors quand nous disons, croire qu'Allah est tout seul, Rab, qui veut dire ça? Croire qu'Allah est tout seul, propriété. Qui veut dire Allah est tout seul, propriété? Tout ce qui peut exister, c'est propriété Allah. Mais il n'y a rien qui existe qui n'est pas propriété à Allah. Sur l'échelle, sur la ligne, sur les étoiles, la terre, ben humain, ben prophète, ben wali Allah, nous tous nos propriétés à Allah. Pena une deuxième propriété. Pena une deuxième propriété. Propriété, et une seule propriété, c'est juste Allah. Et comment Allah n'est pas pour les propriétaires uniques quand c'est lui le créateur unique? Allah est le créateur unique. Ça, dans lui-même, il prouve qu'il implique qui nous disons que croire dans Allah est tout seul propriétaire. Et là, comment il y a un seul coup, nous capables d'adresser conception du monde, et comment un seul coup du monde, il finit montrer qu'il n'a pas oublié l'islam. Allah est le créateur unique. Il implique qu'Allah est le propriétaire unique. Quand Allah est le propriétaire unique, qu'est-ce qu'on a nous demandé? Qu'est-ce qu'on a nous demandé? Moi, je demande, avec moi, je peux bien viser un loto. Je peux bien viser un loto. Je peux dans l'auto. Moi, je demande l'auto à celui qui vient dans l'auto. Moi, je demande l'auto à celui qui vient dans l'auto. Mais tout le monde peut dire une part de l'arabe. Mais c'est ça qui nous guette aujourd'hui quand nous guettons un musulman. Vraiment, quand nous guettons halak musulman, c'est le résultat de nos fausses croyances. C'est le résultat de nos fausses croyances. Alors, il y a dit, gagne un droit de demander avec Rasulullah, gagne un droit de demander avec Pir, gagne un droit de demander avec Wali Allah, prophète là. Malgré quantité l'honneur qu'il y en a, nous n'avons pas le droit mort de l'honneur. Est-ce que le prophète est propriété à l'île? Est-ce que le prophète est propriété à la lune, les propriétés à les étoiles, les propriétés à la terre? Est-ce que le prophète est propriété à la poussière, l'eau salatée là? Est-ce que le prophète est propriété à la poussière, l'eau salatée là? Non.
Alors il a pu dire que respect Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je dis non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous honore comme Allah vient enseigner. Nous suivons son enseignement. Nous comptons lire, nous suivons son enseignement. Nous essayons de mettre son sunnah en pratique. Ça c'est honore Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pour honorer le prophète, pour bien dire, le prophète est propriétaire. Le prophète propriétaire qui chose sur la terre, non. Qui lit le prophète, qui lit Abdul Qadir. Jilani, n'importe qui s'en a lié, en tant que créature, il n'est pas propriété. Quand il n'est pas propriété, il n'a pas possédé même un lagrin, c'est-à-dire un lapouchier, ou ça la terre, quand il n'a pas possédé, non, il va l'âme ou demander, Ya Rasulallah, protège-nous, Ya Rasulallah, donne-moi guérison, Ya Wali, oh Abdul Qadir Jilani, fais-moi madame des enfants. Et ça c'est shirk. Ça c'est shirk. Alors, dites comment? Quand je me comprends tawhid, alhamdulillah, il n'a pas pu tomber dans le shirk. Mais quand je me tombe dans le shirk, c'est parce qu'il n'est pas comprend din Allah. Donc, le premier kit source, quand nous dit Allah, il est le Rab, c'est Allah, il est le propriétaire. Le Coran, Allah Ta'ala dit, c'est Allah tout seul qui est propriétaire de toutes choses. Allah dit, Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin. Pour Allah, la propriété de l'échelle et la terre, et tout ce qui existe dans l'échelle et la terre. Tout, l'échelle et la terre, c'est pour Allah. Tout ce qui est dans l'échelle et la terre, c'est pour Allah, pour Allah. Non, il n'y en a pas pour Rasulullah. Non, il n'y en a pas pour Abdul Qadir Jilani. C'est pour Allah. Donc ça, c'est nos croyances dans Allah en tant que Rab. Notre question, est-ce qu'Allah peut prendre compte de cette créature? Oui, Allah peut prendre compte de cette créature. Et Allah lui fait beaucoup faveur. Le Hazrat de cette créature, Allah dit... وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ N'importe qui faveur qu'ils ont gagné, en vérité c'est depuis Allah. En vérité c'est depuis Allah. Donc, Rab, il y a aussi une signification de tarbiya. Tarbiya veut dire élever, grandir, prendre compte. Nous faisons tarbiya des enfants, nous grandissons des enfants. Qui veut dire nous grandissons des enfants? Un enfant, nous avons besoin de nous manger, de nous boire, nous pouvons occuper, laver, nettoyer, bailler, habiller. Avec ça, prends compte des enfants. Prends compte des enfants. Donc, Allah, il est Rab, Allah, il prend compte sur une créature. Ce n'est pas qu'Allah, il crée nous, il nous délaisse nous. Comme Allah, il peut dire, « Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah » N'importe qui faveur qui je peux jouir, en vérité, les choses qui côté Allah. En vérité, un démon pour les bouses, les cabosses sur les doigts, ou bien, pour nous dire, un démon, les peines pour la toilette, veut dire quand il y en a pour la toilette, c'est là ce système déclenché pour dire qu'il y en a pour la toilette. Ça, c'est un faveur Allah, Rabbul Alamin. Ça, c'est faveur Allah, et comme le prophète dit, comme Allah a dit, وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si je t'essaie compte, faveur Allah, le jour, je ne vais pas vous réciter dénombré. Ben, faveur Allah. Je ne vais pas vous faire compte, faveur Allah. Donc, faveur Allah, le nom, les prouves qui Allah, c'est lui le créateur, c'est lui le Rab. Alors, quand nous posons la question, qui s'en a fait faveur? Qui s'en a fait faveur? Allah tout seul. Allah tout seul qui veut, parce qu'Allah lit le Rab. Allah c'est lui le Rab. Alors imagine, oh, bref, Jamaat, cette conception c'est le prophète qui fait la faveur, l'eau celui qui l'oulait, il y a race faveur de celui qui l'oulait. Ben, wali Allah, je fais la faveur, l'eau celui qui l'oulait, je l'oulais, et je t'arrache faveur, je t'arrache faveur de celui qui l'oulait, je l'oulais. Donc, ça c'est. Les fossés, quand un démon ne comprend, qui veut dire Allah, il Rab, Allah, il Rab, veut dire Allah fait faveur. Allah fait faveur, il donne la santé. Allah fait faveur, les bégards du vivant. Allah fait faveur, il donne nos enfants. Allah fait faveur. Donc, tout ce qui nous peut gagner, ben, faveur, c'est juste Allah qui fait ça. C'est juste Allah. Le prophète n'a pas fait aucune faveur à nous. Le prophète, il n'a pas fait aucune faveur à nous. Il n'est pas capable de faire personne gagner la santé. Il n'est pas capable de faire personne. Vine intelligent quand il n'est pas intelligent, il n'est pas capable de faire personne gagner des enfants quand il n'est pas capable de gagner des enfants. Le prophète n'est pas capable de faire faveur. Oui, il fait un doigt. Le prophète fait un shafa'at. À travers lui, Allah manifesté un miracle. Oui, Allah manifesté un miracle. Comment il fait qu'après, on va rappeler les sons. Dans le kitab al-tawhid, il peut faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, de même au bout d'un salitaud d'Allah, dans la main d'un.
dans des gens qui sont contents, l'ex-Rasoul, l'ex-Rasoul content, lui. L'endemain, le prophète dit, quand Ali m'a dit, celui-là, je peux faire mal, je peux souffrir à celui-là. Le prophète dit, appelle-lui. Le prophète dit, crasse ton solisier, il fait la doa, je l'aime bien. Le prophète dit, crasse ton solisier, il fait la doa, et je l'aime bien. Qui s'en est allé, je l'aime bien? Qui s'en est allé, je l'aime bien? Allah, c'est un miracle qu'Allah Ta'ala fait à travers son Rasoul. Le prophète n'a pas fait un miracle pour lui. Le prophète n'a pas fait un miracle pour lui, il a la capacité de faire un miracle. Il fait un doa, il fait un shafa'at. Et à travers ce doa, à travers ce shafa'at, Allah honore lui. Et Allah fait un miracle. À travers lequel, ben, il y a une faveur d'Allah. Donc, c'est juste Allah qui fait un faveur. Le prophète peut dire, Allah peut dire, « Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah » N'importe qui faveur que je peux gagner, il vient depuis côté Allah. Mais je dis, dans 100 faveurs qu'Allah peut faire au moins, dans 1000 faveurs qu'Allah peut faire au moins, 10 aussi la donne à la vie depuis côté Rasulullah. Dans 1000 faveurs qu'Allah peut faire au moins, elle aussi la donne à la vie depuis Rasulullah. Dans 1000 faveurs qu'Allah peut faire au moins, la moitié aussi la donne à la vie depuis Rasulullah. Tout faveur qui vient vers moi, c'est depuis Allah. C'est depuis Allah. Ça, c'est Tawhid. Ça, c'est Tawhid que le Coran peut enseigner nous. L'autre question qui s'en a de nous manger et boire pour nous vivre. C'est juste Allah qui donne nous nourriture pour nous vivre. Allah Ta'ala dit وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. N'a peine aucune créature vivante qui peut marcher l'eau sur la terre là, excepté que sa nourriture, c'est un droit. L'eau, Allah peut prendre compte. Ce bonne créature, qu'il est insane, qu'il est djinn, qu'il est serpent, qu'il est crocodile, qu'il est tigre, ou bien lichien, ou bien sac, ou bien lévère, ou bien tang, même une créature qu'elle n'a pas bien nourrie. Mais une créature qui, je ne sais pas Allah qui peut nourrir lui. Mais il n'y a aucune créature que c'est Allah seul qui peut nourrir lui. Comme dans le texte, Allah Ta'ala dit, « وَكَأَيِّ مِنْ دَابَّةِ لَا تَحْمَلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ » Allah Ta'ala dit, « Tout ça, une créature, il n'y a rien qui peut sortir son risque, le solide, comme on dit. Il n'y a rien qui peut sortir son risque. Mais Allah qui nourrit lui. Allah qui peut nourrir lui. Donc, quand nous trouvons un oiseau, il est pénal, il n'est pas avec son risque. Quand nous trouvons un sac, il n'est pas avec son risque. Mais Allah donne son risque. Donc, il y a une créature, excepté qui, c'est Allah qui peut donner son risque. Pas Rasulullah, pas Wali Allah. Et non plus qui, quand je gagne sa lunaire là, pour tirer depuis 13 ans Allah pour partager. Je présente, il est en façon là. La clé trésor Allah, il est dans la mer Rasulullah. Tout qui sort, qui sort depuis Rasulullah, il passe par la mer Rasulullah. Tout qui sort, qui sort depuis trésor Allah, il passe par la mer Rasulullah. Ça, c'est conception, ça va nous bidati là. C'est que je t'appelle sur une jamaat. Et qui en vérité, je prévine pour oppose din Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et en place, le prophète nous dit. Tout ce qui peut sortir de la trésor Allah, il passe par moi. Mais là, c'est le prophète qui dit ça. Mais pourtant, Banadir, le prophète, la clé trésor Allah dans son âme. Tout faveur qui nous fait gagner, il passe par la mère Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça, c'est shirk. Ça, c'est shirk. Ça, c'est conception qui amène du monde vers kufr. Alors qu'Allah Ta'ala guide nous, qu'Allah Ta'ala protège nous. Le prophète, Allah Ta'ala peut dire. Toute sa créature que vous pouvez trouver là, sur les arts, sur le grand cré, ou bien tout ce que vous pouvez trouver, Allah qui peut nourrir. Et un grand cré, l'eau salatée là, qui Rasulullah fait nourrir. Et un léra, un lézard, l'eau salatée là, qui le prophète nourrit. Impossible. Et un léra, l'eau salatée là, qui peut nourrir par Rasulullah. Et un sac, l'eau salatée là, qui peut nourrir par Abdul Qadir Jilani, ou bien n'importe qui s'en là. Qu'il y a un sac, ou bien il y a un lézard, ou bien il y a une fourmi, ou bien il y a un moutou, même qu'il y ait des, il était nourri par Allah subhanahu wa ta'ala seul. Ça appelle ça tawhid. Ça appelle ça tawhid. Alors maintenant, je ne manque pas. Ne manque pas, paix honneur, Rasulullah, ne manque respect, banwali Allah. Mais ça, c'est pas l'enseignement d'in Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, question qui s'en a possède la guidance.
saisissent Allah qui possède la guidance et les guide celui qui l'oulait vers le chemin droit. Allah subhanahu wa ta'ala les dit « فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ » Certainement Allah l'égare celui qui l'oulait et les guide celui qui l'oulait. Allah l'égare celui qui l'oulait, les guide celui qui l'oulait. Qu'est-ce que c'est? Zis Allah. Imaginons, on a jamais dit le prophète les guide celui qui lui voulait, les gars celui qui lui voulait. Et ça c'est pur shirk. Ça c'est pur shirk. Et en vérité, sa conception-là, il y a une conception qui les fait un dimoun marque respect. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et en place, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit à mon guide, mon père guide dimoun, mon père gars dimoun. Est-ce que le prophète est venu pour égard dimoun? Impossible. Le prophète est venu juste pour guider du monde. Jamais Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, est venu pour égard du monde. Bien un du monde que le prophète est venu pour égard. Le prophète est venu pour guider du monde. Certains acceptent sa guidance, certains rejettent sa guidance. Allah les guide celui qui lui voulait, les égare celui qui lui voulait. Est-ce que Rasulullah les égare celui qui lui voulait? Est-ce que le prophète, sa qualité, ça, les égare celui qui lui voulait? Ou bien le prophète est venu juste pour guider du monde? Donc, d'après honor Rasulullah, il commence à déshonorer Rasulullah. Nous, Wahhabi, nous disons le prophète, il dit que Dieu est mort. Le prophète, il dit que Dieu est mort sur l'enseignement. Il n'est pas venu pour égard Dieu. C'est notre amant qui dit le prophète, il guide celui qui lui voulait, il égare celui qui lui voulait. Mais ça appelle ça honor Rasulullah. Le prophète est venu pour égard Dieu. Alors, Allah Rabbul Alamin peut dire Allah les guide celui qui lui voulait, les égare celui qui lui voulait. Qui fait? Parce qu'Allah les compte dans les cœurs. Allah les compte qui s'en a mérite la guidance. Allah accorde la guidance. Allah les compte ce qu'il y a dans les cœurs. Qui s'en a mérite les gommes. Allah donne les gommes. Qui s'en a qui compte qu'il y a dans les cœurs. Il n'y a personne à part Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on déjà dit, ban, sonna jamaz, c'est une conception. Et là, Wali Allah, quand il rentre dans son khalwa, veut dire il retire Ali. Il y a le passé de moi, mais il n'est pas pour faire namaz dans le masjid. Il n'est pas pour faire namaz du man, un mois, il est dans la cave, il fait une méditation. Alors, ça veut dire, Wali Allah, à chaque fois qu'il est sorti depuis son méditation, si dans l'île, quoi dire l'île, il y a une hidayat ou bien c'est pas quoi qui a passé il gagne quand il sortit depuis son khalwa, quand il sortit depuis dans la cave là, premier dimoun qui se lisait tape le dimoun là vient wali Allah, dimoun là vient wali Allah. Et si vous pouvez connaître qui est wali Allah, il rentre dans la cave, attend devant la porte de la cave là, comment il sortit, laisse les trouver en premier, vous venez wali Allah. Et qui n'est arrivé là, hein? C'est qu'il est arrivé. Wali Allah sorti. Celui qui tape un lycéen, Allah lycéen de Wali Allah. Correct? Lycéen de Wali Allah, correct. Parmi les lycéens, disons, on va dire, pour les lycéens, tout le lycéen peut donner respect. Correct? Lycéen, tout le lycéen commence à faire ce ziyarat de Sokabar. Tout le lycéen fait ziyarat de Sokabar. Il y a son adjamat. Quitte sa dîne là. Viens vers dîne Rasulullah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, grand matin, tantôt sur le jeune tape l'Abu Jahal, l'Abu Lahab, manen reste kafir. Wali Allah, comment les guette un djemoun, djemoun lag un hidayat? Impossible. Oui, il est possible qu'il, à travers, trouve Rasulullah. Un djemoun, comment trouve Rasulullah, il trouve sa figuela. Quand j'ai iman, découle de soleil. Il est possible. Un djemoun, comment il trouve figuela d'un Wali Allah? Quand il y a ça tous sur les quais, il commence à mener mal. C'est possible. C'est pas où il y a la capacité de guider le monde, non. Mais c'est un moyen. Donc, Allah le guide celui qui voulait. Parce qu'il sait Allah tout seul qui est Rab. Allah le égare celui qui voulait. Parce qu'il est tout seul Rab. Et comment nous connaissons, nous pouvons apprendre dans ce chapitre-là même. Croire d'Allah en tant que Rab. Abu Jahal, tu crois là-dedans. Abu Lahab, tu crois là-dedans. Mais la personne qui te dit
Et l'autre apporte les créatures qui guident Timoun, qui égorent Timoun, qui donnent la vie, qui donnent l'amour. Mais on dit, mais dans la Sunna Jamaat, je dis aux musulmans, je dis aux Ashik Rasoul, je me plie pire qu'Abu Jahal. Abu Jahal, tu peux dire, c'est Allah qui guide Timoun, c'est Allah qui égorent Timoun, c'est Allah qui donne nourriture, c'est Allah qui fait la pluie tomber. Je dis aux Sunna Jamaat, dire, Rasoulullah, il fait faveur de celui qui lui voulait, il donne celui qui lui voulait, il arrache de celui qui lui voulait, il guide celui qui lui voulait, il égore celui qui lui voulait à le pénalité, qui ça c'est l'égorement. Qui s'en a donne le nez et déjeuner. C'est juste Allah qui donne le nez et déjeuner. Elle a dit, wa tu izzu man tasha, wa tu dhillu man tasha. Dire, oh Allah, te donne le nez à celui qui te houlé et te déshonore celui qui te houlé. Donc ça c'est Zis Allah. Parce que qui fait Allah, il est Rab. Allah, c'est lui qui est Rab. Peine un autre qui est propriétaire, peine un autre qui est administrateur, peine un autre qui peut gouverner, peine un autre qui se décision morcée, peine un autre qui se décision qui a l'influence, peine un autre qui, comment dire, les capables bouge qui sauve l'eau sur la terre là. Comment dire, un fait n'a pas tombé excepté par permission Allah. Un fait n'a pas tombé excepté par permission du Créateur. Donc Allah lui honore celui qui lui voulait. Il déshonore celui qui lui voulait. On ne fait pas qu'à faire non, il là-dedans. Ou elle n'est pas capable de faire rien là-dedans. Ça, c'est juste Allah, ce travail, parce que c'est lui qui robe. Qui s'en a donné la vie et de l'amour. C'est juste Allah qui donne la vie et l'amour. Allah dit, Wallahu yuhyi wa yumit. Allah lui donne la vie, lui donne l'amour. Qui utilise cette information dans le Coran? Allah peut dire, Wallahu yuhyi wa yumit. Allah lui donne la vie, lui donne l'amour. Qui fait cette information? Qui ne comprend pas cette information? Allah lui donne la vie, lui donne l'amour. Pour qu'il nous dise oui, oh Allah te donne la vie d'amour, mais Abdul Qadir Jilani aussi donne la vie d'amour. Oh Allah te donne la vie d'amour, mais prophète aussi donne la vie d'amour. Est-ce que c'est comme ça qu'il nous prend cette information-là? Quand Allah veut dire c'est Allah qui donne la vie de l'amour, qui nous comprend? C'est ça là. Apporte Allah, mais la personne qui a donné la vie d'amour. Mais toujours, on a dit, oui, Allah, sa capacité. Quand tu réfutes une Jamaat, tu dis une histoire. Abdul Qadir Jilani peut faire khutba. Un jour, je m'en prie respect à un moment qui, Abdul Qadir Jilani, peut faire khutba. Il y a un taux, définitivement. Abdul Qadir Jilani peut faire khutba quand il peut faire crier là-haut. Alors, Abdul Qadir Jilani dit, may Allah cut your throat. Ok? Je viens de tomber. Après, je m'en prie, je m'en sorti, je viens devant la porte, dans la cour. Qadir Jilani passe le côté de lui. Levez, allez. Levez, allez. Alors, Jazun va battre les yeux, il n'allait. Quand vous avez lâché le code sur la Jamaat, Kariman Souven rapidement, il dit, mais Allah cut your throat. Il n'est pas donné l'amour pour Lili. Il dit, mais Allah cut your throat. Ouais? Qui nous répond? Hein? Il n'est pas une cause, mais Allah cut your throat, nous, une cause. Levez, allez. Ça qui nous cause là. Abdul Qadir Jilani, un oiseau qui finit mot, il dit allez. Et il nous bat sur les ailes, il nous l'échelle. Imagine où, qui a été né comment ça. Et moi, je peux trop rappeler, si quelqu'un me rappelle, comment me rappelle, il y a une histoire ou encore comme ça. Oiseau qui finit cuit, il finit coupé, il finit dans le carail, il est mangé. À cause qu'il y a l'aile mangée, l'oiseau l'aile levé, il morsé, il allait pour l'aile morsé, il allait. Moi, je peux rappeler. Donc, ma vie, si quelqu'un trouve ça, je fais moi. Quand on raconte ça, le côté Naha, je fais moi un rappel. Ok? Mais là, cette histoire-là. Alors, imaginons, qui a été shirk et dans le livre, ça va dire là. Et en vérité, mon frère, crois, quand on dit, allez là. Abu Lahab, Abu Jahal, pas de chance, ça a été conception shirk là. Banna, ban sunna, jama, tabli, ban soufi en général, je dis, un wali Allah, les déjà puissants, les sont puissants, augmentés, les croyants, par exemple, quand ils étaient faux, ils faux, jusqu'à ce qu'ils voient Allah, ils gagnent une capacité, kun fayakoun, la hawla wa la quwata illa billah. Quelle qualité shirk ça? Vous m'avez raconté l'histoire là. Si vous m'avez raconté l'histoire, ben, tu n'as jamais capable d'éclater moi, l'autre capable de cotonner à ça. Cotonner à ça. Mais imagine où, tu n'as jamais, tu souffres, mais c'est un souffle là.
Je crois dans Wali Allah, les capacités qu'on fait. Mais ça me cherche là, ça. 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 Allah lui donne la vie, Allah donne l'amour. Paix la personne. Paix la personne. Et qui s'en a fait la pluie tomber? C'est Allah qui fait la pluie tomber. Allah ta'ala dit wa anzala min as-sama'i ma'a. Allah fait de l'eau, il fait la pluie tomber depuis là-haut. Allah fait la pluie tomber depuis là-haut. Toujours, qui utilise cette information-là? Allah fait dire nous, mon fait la pluie tomber depuis l'échelle, mon fait la pluie tomber depuis là-haut. Et comment dire? Moi, je suis venu, je suis rentré dans sa masjid là, je me dis, moi, j'ai une loto. Je suis tout pourri, moi. Mais nous, si nous avons une loto, nous avons une loto, nous avons une loto. Je te pourris, moi, mais qui, moi, l'auto, mais qui, comment dire, qui spécial là-dedans? Qui spécial là-dedans, moi, dans l'auto? Fait comment dire? L'autre fait la pluie tomber, l'autre fait la pluie tomber, l'autre fait la pluie tomber. Allah dit, mon fait la pluie tomber. Mon fait la pluie tomber. Et comme si, Allah peut occasionner, Allah protège ou combat nous. Pour faire dire, on comprend. Pour faire dire, on comprend. Et comment dire, Allah peut occasionner pour faire bouffon avec lui. Abdul Khalil, j'allais vous dire, mais moi aussi, mon cavale a pris tombé. Rasoul, mais moi aussi, mon cavale a pris tombé. Mais définitivement, ce n'est pas dit dans la façon de dire, Wali Allah a la capacité à travers la capacité qu'Allah a donnée. Le prophète, qu'a fait la pris tomber parce qu'Allah a donné sa capacité là. Wali Allah, qu'a fait la pris tomber parce qu'Allah a donné sa capacité là. Mais ça, c'est shirk. Ça, c'est shirk. Allah tout seul fait la pris tomber. Pena, prophète, pena, wali, Allah, pena, personne qui a fait la pluie tomber. Qu'est-ce que ça donne guérison à un démon qui est malade? C'est juste Allah qui donne guérison à tout bonne maladie. Allah dit que le prophète Ibrahim te dit, wa ida maridtu fa huwa yashfin. Quand je suis malade, c'est Allah qui guérit moi. Wa ida maridtu fa huwa yashfin. Quand je suis malade, c'est Allah qui guérit moi. Et là, quand nous disons, nous déjà nous pourrions dire, c'est une plus grande occasion pour trouver l'égarement de sa bande, comment dire, petit petit à la fils, et venir témoigner guérison, miracle, et nous disons, il y a un cancer, il est venu, comment il lit l'eau, il est bien, comment il fait la prière, l'eau, il est bien, le tâche qui a un cancer, le tâche qui est handicapé, le tâche, toute qualité miracle, toute qualité guérison, tiens là. Et là, tu prouves la vérité de sa religion, de ce secte, à travers un miracle correct. Nous ne demandons pas aux autres pour faire 1000 miracles, 10 miracles, aucun seul miracle, nous j'ai dit. Hein? Enlève le corona là, ça même tout. Enlève le corona là, ça même tout. Ou bien, il y a un dimanche à corona, et le docteur peut dire qu'il a fini ça. Mais c'est la prière, il y a un petit la prière. Pas fait comme ça, fait gros la prière, un petit la prière, fait bien. Côte-zot. Alors, qui est parmi les koufars, qui est parmi les musulmans, toute qualité fatéa, toute qualité doua, pour tout problème, pour tout problème. On a un livre contre moi, et dans mon livre, Aqida al-Wallah numéro 2, je mets un des bases là-dedans. Un livre de pilaine. Ben un problème. Il y a un problème, c'est qu'il y a ce remède là-dedans. Mais il y a un travail, quand il y a une promotion de travail, il y a un tarif pour vous, un droit pour vous, pour correct. Quand il y a un enfant, il y a un tarif correct. Michel Mauvais, il y a un droit à l'eau correct. Tout correct. Tout problème, vous avez une solution. Mais il y a un doute qui ça c'est. Ben, qui dans légalement. Allah tout seul donne guérison, Allah tout seul donne maladie. Et la personne, au contraire, là aussi, pendant ça, l'épidémie là, nous ne pas trouver. Et la démon, il n'est pas une propre précaution. Il n'est pas une propre précaution, il n'est pas un problème là. Et la démon, il a fait une propre précaution, mais il n'est pas une mort pour ça. Donc il est propre précaution. Ça va. Dire qu'il n'a pas besoin de prendre précaution. Mais nous prend précaution. Mais nous prend précaution. C'est là une écrire pour moi à travers sa juriste. Qui est-ce qui protège vous? Impossible. Impossible. Et si toutefois, un dimon
li Allah pa l'écrire pour qui li gagne sa malade là, li gagne sa virus là, li capable, li mêle avec ban qui gagne et qui ban fini mort. Ou bien grand matin tantôt il avec en contact avec ban qui contaminé, il pas gagné. Allah Rabbul Alamin li donne maladie à celui qui le voulait. Il donne la santé à celui qui voulait, il donne guérison à celui qui voulait. Ça n'a pas trouvé dans la main ni Rasulullah, ni Wali Allah, ni personne. Si on tient le monde réuni pour créer une mousse, est-ce qu'ils sont capables? Non, jamais je pourrais aussi créer même les ailes d'une mousse. Même les ailes d'une mousse. Le Coran a dit, même quand il y a les ailes d'une mousse, je n'ai pas pourquoi créer. Parce que ça, si ça mousse là, il prend une petite chose, il finit aller à son carasse. Si c'est une mousse, comme on dit, je me donne une mousse, je me pose. Je me pose 10 miel, côte rosse. Mousse, une pose à 10 miel là, il est envolé. Ça rose là pour qu'elle réarrasse sa demi-là là, depuis sa mousse là. Alors imagine où, qui a été incapable, ben, qui peut être adoré à part Allah, j'étais incapable. Alors, entier le monde, on n'a pas pourquoi pas créer les ailes en mousse, et créer, veut dire, apporter cette capacité, mais prendre des mousses là même, certaines petites choses, et produire les ailes, en les ailes, ça. C'est pas ça qui va peut-être produire une mousse, pas peut-être produire une mousse, à jour du jour, dans la science, mais là, différentes choses qui du monde fait. Je prends des pieds une petite chose, une créature, je prends une petite chose, je lis, et à partir de ça, je crée. Là, vous pouvez une petite chose comme ça, ça va appeler ça créer, ça va appeler ça créer, parce qu'il te prend depuis créature Allah, te prend depuis créature Allah, faire, veut dire, créer une créature comme Allah vient créer. Définitivement, ça dit, il est impossible. Si on tient le monde réuni pour apporter une personne, dit bien ou bien dit tôt, est-ce que je suis capable? Non, je ne suis pas capable de faire non, et accepter ce qu'Allah a fait décider. Donc, ça, c'est le tawhid al-rububiyya. Décision, il trouve dans Allah le créateur, Allah les propriétés, Allah qui décide, Allah qui donne la vie, Allah qui donne l'amour, Allah qui donne la santé, Allah qui donne la maladie. Allah qui lui fait bonne faveur, il y a rase bonne faveur à celui qui va le mériter. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il nous l'est, une faveur ou un insan, bien la personne qui pourra avoir à ça de lui. Si Allah parle une faveur ou un démon, impossible de gagner. Impossible de gagner. Et en vérité, quand un démon les vive de cela lui-même parfois, les trouve un kitsou, mais comment ça possible? Comment ça kitsou? Là, il arrive, il bâti sur tout, il bâti manchon les mêmes, pas une pense les mêmes, mais pourtant, il y a. Pourtant, il y a ça. Et l'autre, il y a un peu de grand-mère qui a tenté, il y a tant de bébés, il n'a pas gagné ça. Donc, ça, c'est une conception d'Allah. Allah, il est Rabb. Quand l'un décrète une petite chose, on tient le monde pour opposer. Ça va pas grave, non. Si Allah il décide non, on tient le monde pour dire oui, ça va pas grave, non. Parce que c'est Allah qui est Rabb. Donc, ça, c'est en bref pour conception en Allah en tant que Rabb. C'est le prochain, Inch'Allah, Tawhidul Uluhiyya. Subhanakallah, wa hamdik. Wa la ilaha illa anta astaghfiruka.